Et c'est parti pour l'épisode 15. Du coup, on va gentiment attendre que les bêtes arrivent. Peut-être pas la grosse. Alors, c'est un élémentaire. Ah, il a des faiblesses au froid. Pas de résiste au feu. Je suis point de vie par niveau. Ok, il fait des dégâts à plusieurs groupes. 8 de régène par round. Peur est lancée quand le combat commence. Ok. Bon, ça peut être tendu. Ça peut être tendu. Alors, on va re-regarder nos enchantements. Le champion peut lancer heal, non. Enchantement pour les armes, pour qu'elles fassent plus de dommages, on l'a. Courage, on l'a. L'auto-résurrection. On va la mettre sur Janusque. Après, non, évasion, on l'a déjà mis, mantelé de feu, on l'a déjà mis, mantelé de l'océan, le coût de tous les sorts tactiques est réduit de 40%. C'est vachement bien ça. Les sorts tactiques, c'est ceux en combat, il me semble. C'est ça. On va mettre un mantelet de l'océan sur Arissa. Un mantelet de l'océan sur Verwin. La cape. Résistance. Je sais pas si on l'a mis à Janus. On l'a mis. Régène. Non. Bon, bah, tout ça c'est bon. Alors, est-ce que on met des enchantes à Yamira? On en gagne plus que 28. Si on en met à Yamira, on descendra sûrement vers 20. Non, pour l'instant, non. D'un côté, j'ai bien envie de combattre ici. Après, j'ai pas envie que la bête s'approche, donc je vais reculer d'une case. Dans mon idée, je veux pouvoir passer au magasin avant. Voilà. Si je me décale là, tout le monde peut m'attaquer. Notre recherche est finie. Donc la défense de toutes les unités est augmentée de 10%. Et on peut rechercher ça en continu. Sérieusement. C'est très puissant. Hein. Presque, on finirait pas plutôt des recherches ici. Je pensais notamment à ça. Ah non, pas ça. Ça. Pour augmenter notre taille d'armée. Ce qui pourrait être sympa. Ou ici pour débloquer un petit peu aussi les deux autres tailles d'armée, mais bon. Ah, je ne sais pas.
Après, d'un autre côté, pouvoir augmenter encore la défense de nos troupes. Allez. Allez, direct le gros. Un dommage. Bon, on va essayer d'en achever un. Du coup, j'ai pas regardé le soin combien il coûtait. Ça peut être pratique d'avoir des sorts qui coûtent 40% de moins. Le soin ne coûte plus que 3 de mana. Du coup, ces mages mériteraient d'avoir une bonne initiative. Le barde, dès qu'on rentre en ville, on te change ton arc. J'aurais dû lui mettre une dague sacrificielle, j'y ai pas pensé. Un gros lézard. Il encaisse pas mal. On voit que c'est Yamira qui prend énormément de dégâts. Ça m'embête d'être en guerre contre Paridhen parce que d'un côté, je viens d'y repenser, mais les livres qu'ils vendaient étaient vraiment sympas. J'aurais bien mis tous les livres sur tous mes mages derrière. Lady Relias, Cutting Attack. On s'en fout, on n'a pas d'armes tranchantes, nous. Spell Resist, plus à la capacité de portée. Plus à l'expérience de l'armée. Je dirais plus en Spell Resist, histoire que les Dirélias soient vraiment increvables. Ah, faut que je pense à soigner Yamira. Du coup, on achève celui-là. Yamira, celui-là. Toi, tu ne vas pas laisser le mage tranquille. Ah, mince. Bon, on va aller en ville dépenser notre argent. Je me demande si les Dirélias peut cumuler le mantelet de feu et le mantelet d'eau. Je vais essayer. Parce que du coup, les Dirélias a pas mal de sorts, même si on les utilise quasiment plus. Quoique d'un côté. Sa lance est tellement fumée que... ça sert pas à grand chose de lui donner des sorts. Bon. Allez, retraite. Ennemi dans notre territoire, on s'en fout. Magnar a encore déclaré la guerre à quelqu'un. Alors, chop. Du coup, est-ce qu'on finit d'équiper Relias? Avec ça, entre autres. Ah, pourquoi pas. Et, qu'est-ce qui nous manque? Les brassards, on a quoi? Plus 2 d'initiative. Ah, on perd l'initiative, par contre on gagne plein de défense.
Ah, je pense qu'on peut se permettre de sacrifier un peu d'initiative. Allez. Hop là. Ah, je peux garder. Ok, c'est pas la même pièce d'équipement. Ah, je savais pas ça. Bon bah. Ah, c'était des jambières ça. Ah oui. Faut le savoir. Du coup, c'est ça qui va avec. Ok. Plus 3 physical attaque bonus. Ça pourrait être sympa. Je monterai à 53 de défense. Ce qui serait plutôt sympathique. 76 de défense contre les dégâts contendants. C'est vraiment sympa. De toute façon, j'ai pas assez de sous. Déjà. Elle est où? Yamira. Toi, tu as un petit plus 5 défense, tiens. Voilà. Le barde, tu as quoi? T'as rien? Bah écoute, mets ça. Voilà. Ah oui, toi, j'avais dit que je vendais ton arc. Qu'est-ce que je vais pouvoir t'acheter? J'ai plus de sous. Une épée, plus 3 d'initiative. Oui, mais tu pourras rien faire à distance. Les bâtons, ils mettent moins d'init. Elle est pas trop mal l'épée. Elle coûte pas trop cher. Tu gagnerais de l'initiative, donc tu pourrais lancer des sorts plus souvent. Surtout que ton arc ne fait que 9 d'attaque. Allez. Hop. Du coup, je sais pas où ils vont. Du coup, est-ce que l'on va faire un tour ici? Alors, je peux t'offrir un traité de paix. Et en échange, tu me payes, tu me payes pas. D'accord, tant pis. Bon. Tant pis, suivant. Toi. T'as pas de sous non plus. Vous êtes chiant. Si je te demande de l'influence, 10 d'influence, ça fait 1000. Moi si je t'en donne. Ah ouais, d'accord. C'est pas équitable. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on peut te proposer dans les échanges? Mais écoute, je prendrais bien tes recherches, là. Voilà. Et en échange, je te propose quelques recherches en magie. Ça ne me dérange pas d'améliorer ton royaume. Parfait. Résolne. Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Un peu de parfaire, pourquoi pas. Et en civilisation, moi je t'offre de la magie. Je t'offre de la guerre. Et je t'offre 10 cristaux. Voilà. Alors, ça nous a débloqué les wargs. Et c'est tout. Allez, l'avant-poste est à moi. Ici, il y a des monstres. Il y a des ennemis dans mon territoire. Du coup, le barde joue en premier. Faut pas pousser quand même. Hâte sur les Direlias. Mmh.
Du coup, le barde, je vais lui mettre un mantelier de l'océan aussi. Ces sorts coûtent moins cher. Ah, il a 4 points de vie, donc je ne le tuerai pas au couteau de lancer. Ah bah t'encaisses déjà un peu mieux. Arissa, un disciple de l'eau. Prodige, spell mastery, non, disciple de l'eau, c'est très bien. Ah bah tiens, on a retrouvé une armée de... Alors, spell, mantelé de l'océan. Hop. Mais partez pas. Ici. Construction. Un marchand pour gagner plus d'argent. Bon, d'un côté, ils sont partis, ils sont juste là. Je vais raser votre ville en passant. Ah bah non, ils m'ont attaqué. Du coup, hop. Je sais, c'est traître. Toi, je te mettrais bien à la place de ça. Voilà. Ça coûte que 6 de mana. Voilà. Bon, je vais sûrement me tuer. Donc on va prendre sa ville, puis je pense qu'on va aller se faire... Mince, c'est vrai que toi t'as plus d'arc. On va aller se faire la bébête là. Et voilà. Yamira. Plus de recherche, plus de Gildar. Permet aux unités de construire des routes. Pas mal. Plus 15% de cutting attack, plus 1 d'init. Très bien. Toi. Firemaster. Pourquoi pas. Ou disciple de la terre. Firemaster. On retrouve les héros qu'on vient de tuer. Une petite hâte sur les Elias qui va préparer une fireball. Yamira, tu vas attendre. Verwin, fireball qui ne te coûte plus que 13, c'est cool ça. Janus, que tu vas attendre. Toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Bah, tiens. Hop. On a les premières boules de feu ici. Barde, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas lancer hâte sur Janusque. Janusque avance.
Yamira, tu le suis. Deuxième boule de feu ici. Ah. D'accord. Je ne sais pas pourquoi ça s'était un peu bloqué, ça m'a fait peur. Janusk ici. Lady Relias, parfait, tu peux les attaquer. Le barde passe. Flamme d'art, ça te coûte 6 de mana, c'est parfait. Donc la ville est à nous. On va ressortir pour prendre l'avant-poste. Et de ce côté, on n'a plus rien. Ok. Donc on va redescendre. Ici, build. Hop. La belle pour un moins de rest. Ah oui. Ce que j'ai oublié de faire, qui est quand même très important. Spell. City. Enchant. Méditation. Cast. Toi, tu peux en avoir un deuxième. Propagande. Cast. Toi, t'en as pas. Toi, t'en as pas. Où c'est que j'ai pris des villes encore? Toi, t'en as pas. Toi, t'en as pas. Toi, t'en as pas. Méditation. Voilà. Ce qui va nous permettre derrière de faire courage. Après c'était évasion. Mantelet de feu, tu l'as. Nature. Et stone. Ah, j'ai oublié de te mettre la résurrection. Et je vais essayer aussi de mettre un mantelet de l'océan sur Lady Relias. Alors, est-ce que tu as le mantelet de feu et le mantelet de l'océan? C'est parfait. Hop, ici. Alors, des ennemis, on s'en fout. Construction. Hop. L'air pour avoir plus de mana. Hop, tout ça, c'est fait. Toi. Hop. Forcément. Ça va être plus pratique comme ça. Ah, dommage. Bon, allez, achève-le. Il y en a qu'un qui devrait jouer. Tous les autres étant à terre. Janusk. Dommage. Relias. Allez, on va essayer de tuer celui-là avant qu'il joue.
subis à chaque fois que le barde a plus d'arc. Il aura le temps de jouer. C'est bon, nos héros commencent à être assez balèzes. Et voilà. Ah, il y avait encore du monde. Ok, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un héros qui se balade chez moi, j'aime pas ça. Notre pacte de non-agression est fini. Ici, ils ont fini de construire. Ça. Pour pouvoir progresser plus vite. Du coup, le pacte de non-agression avec Rezoln. Je le repropose et toi tu vas me donner des sous. Ok. Et le pacte de non-agression avec toi. T'as toujours pas de sous à me proposer. Ok. C'est dommage. Tant pis. Est-ce que je peux te vendre des choses? T'as rien d'intéressant. Toi. Toi, t'as plein de métal. T'as pas de cristal. Si je te donne 10 de cristal, ça fait 60. Donc, je vais garder mon cristal. Est-ce que des wargs ça t'intéresse? Potentiellement. Hop. Le cristal, tout ça. Eh ben écoute, tout ça, c'est bon. Toi, traité. Oh, cher. Toi, traité. Oh, mais t'as pas d'argent pour me payer, sinon on pourrait faire un traité de paix. Alors, est-ce que je te propose la paix? Oui. Moi j'ai bien envie de te proposer la paix, comme ça je pourrais aller voir dans ton magasin. Allez, je te la propose même gratuitement, je suis gentil. Bien. Qu'est-ce que j'y gagne si je te propose des traités? Plein de sous. Je vais te proposer ça, et je vais te payer pour que tu acceptes. De technologie, je gagne énormément aussi. Je vais te payer pour que tu acceptes. Je peux te proposer aussi un traité économique pour avoir des routes entre nos villes, ce qui sera plus facile pour aller te péter les dents après. Hop, voilà. Pacte de non-agression, je te le propose pas. De toute façon, t'as pas de quoi me payer. Qu'est-ce que l'on peut échanger? Toi, t'as pas de métal. Moi, du métal, j'en ai plein. Hop, si je te file tout mon métal, je peux te taxer quoi? La magie. D'un côté, je m'en fous. Je peux te taxer pas mal de recherches. Voilà. Et des sous pour finir. Oups, trop. Hop. Parfait. Bon. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode 15 et je vous dis à tout de suite dans l'épisode 16.